Hey, salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue dans un nouvel épisode de notre défi sur Pokémon Diamant Étincelant. On est du coup à Cherbourg puisque la dernière fois on avait du coup fait tout le début du jeu. Là on a notre petit chien pour fond, donc petit Richard qui est passé de niveau 14 qui est évolué. Et du coup aujourd'hui on va devoir faire l'arène qui est juste ici. Et puis ensuite, j'aimerais bien dans cet épisode faire l'arène, faire tout ce qu'il y a au parc éolien et arriver jusqu'au deuxième champion, sans le faire évidemment. Comme ça, on aura avancé pas mal. Avant d'y aller, du coup, on va juste vite fait regarder 2-3 trucs. Déjà, j'ai pas mal de potions, donc ça c'est une très bonne chose. Notre chimpanfeu est soigné. On va pouvoir du coup commencer l'arène. Alors, voilà, normalement, elle devrait plutôt bien se passer, les amis. On a du coup deux techniques de type combat qui sont quand même plutôt forte, on a point boost et on a Mach Punch. Normalement tu me donnes pas quelque chose toi? Oui mais j'ai pas de Pokémon type plante moi, donc je vais faire avec mon Serpentfeu. Du coup les amis, j'espère que vous allez bien. Le premier épisode vous a énormément plu, il a dépassé la barre des 200 vues, je m'y attendais absolument pas honnêtement, vu que j'ai relancé une série un peu comme ça sans prévenir personne ni rien. Mais vous avez là d'être toujours là pour du Pokémon, ça c'est très très cool. Il y a énormément de personnes qui ont regardé le premier épisode sans être abonné à la chaîne, alors n'hésitez pas les amis, il y aura un épisode tous les dimanches, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas le manquer tous les dimanches à midi les amis. Et du coup voilà, alors on voit qu'on ne one shot pas. De toute façon la stratégie ça va être de balancer des points boost sur le Onyx juste devant, ça permet de pouvoir en lancer au moins deux sans perdre trop de PV, comme ça on a un double sac d'attaque et derrière on a de fortes chances de one shot le Cranidos. Mais du coup les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, on essaye toujours de rush les 1k abonnés avant la fin de l'année, ça va être très compliqué. Mais c'est pas grave, on garde toujours le défi tant qu'on ne sera pas passé le 1er janvier, on garde le défi les amis. Et puis voilà hein. Ok, deuxième dresseur. Attends, parce que moi j'ai toujours ma souris devant l'écran, voilà. C'est un peu mieux pour moi. Alors Antonio le gamin va se battre. Il envoie un racaillou, nickel. Nickel, nickel. Je sais pas si je vais monter niveau 15 avant la fin du... Normalement il a deux Pokémon, ouais c'est ça, il a deux Pokémon lui, donc... normalement ça devrait plutôt bien passer. Par contre ouais, je suis loin de one shot, hein. Je suis très très loin de one shot. Donc c'est pour ça, double point boost. Double point boost juste avant et ensuite le Cranidos, on one shot derrière. Et comme ça on n'est pas trop mal parce qu'il me semble que le Cranidos il a un piétisol qui peut faire très mal. Un piétisol ou un séisme, je ne sais même plus. Je m'étais fait surprendre dans le let's play qu'on avait fait à l'époque avec, avec Atti. Du coup il envoie un Onyx. On va balancer un petit Mach Punch, normalement les stacks on les a. Boum. Voilà, one shot, parfait. Parfait, parfait. De toute façon on a un double stack d'attaque hein. Et on monte pas niveau 15. On monte pas niveau 15. Alors peut-être qu'on montera niveau 15 en combattant le Onyx que Pierre a. Il me semble que c'est un Onyx qu'il a hein. C'est un Onyx et Cranidos derrière. Hop. On se remet les quelques PV qui nous manquent. Et on est tout de suite parti les amis. Alors on va passer les dialogues évidemment. Parce que bon le jeu on le connaît hein. Le principe c'est de faire le défi. C'est le plus important. Pam pam. Pam, 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 pam. Oh, il y a 3 Pokémon. Oh, ça, c'est une très bonne... Il me semble qu'il y en avait 2, mais apparemment, non, il y en a 3. Du coup, petit racaillou niveau 12, j'imagine. Il me semble que les Pokémon, c'est ça, c'est niveau 12, 12 et 14. Il me semble que c'est ça. C'est ça. Du coup, on va pouvoir stack les points boost à fond. Faut stack un max. Ah oui, on est très loin du one-shot. Hein. Donc là, double stack d'attaque, normalement, avec ce double stack, on one-shot. Roulade. On va prendre de bons dégâts, là. Ok, non, ça va. Ah oui, c'est vrai que je suis type combat également. Du coup, ça annihile la faiblesse roche. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ok, double stack d'attaque. On va continuer comme ça. Avec le Onyx. S'il envoie le Onyx. Il serait capable d'envoyer le Cranidos. Hein. Il le fait des fois. Ok. Ah, il envoie l'Onyx. C'est parfait. C'est parfait. Je sais pas si l'Onyx tank du coup le point boost. Dans tous les cas, on en lance un nouveau. Comme ça, on aura 3 stacks d'attaque. Et il le tank mais à 1 PV parce qu'il a fermeté. Ok. Ok, ok. Donc là du coup on a triple stat d'attaque. Le petit jet de pierre qui devrait pas faire trop de dégâts. Parfait. On relance un dernier point boost pour avoir 4 stacks d'attaque.
Et il utilise une potion qui leur met pas 100% de sa vie. C'est parfait. Donc on n'aura pas à la rattaquer une deuxième fois. Ok, l'Onyx est KO. Ça, c'est une très très bonne chose. Et on va du coup pouvoir annihiler totalement son Kranidos. Et ça, c'est très très cool. Hop. Il sera plus coriace. Mais non, mon ami. Mais non. Tu ne connais pas Richard. Tu ne connais pas Richard. Richard, il va te déboîter. Tu vois ? Mac Punch. Comme ça, t'as même pas le temps de réagir. Boum ! Y'a plus de Kranidos. C'est terminé, les amis. Nous avons notre premier badge. Incroyable, incroyable, incroyable. Ah, attendez, parce que du coup, on a un petit badge à rajouter sur le layout. Voilà, je le mets juste devant moi, comme ça on pourra le rajouter une fois qu'on l'obtiendra. Pam, 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 pam. Allez, donne-moi le petit badge. Nickel, et attention les amis. Et pouf, il est directement dans la boîte à badge. Incroyable, incroyable les amis. Et il me donne du coup, ça doit être, je sais plus comment ça s'appelle, lance-roc ou je sais plus, piège de roc, voilà, j'avais plus le nom en tête. Il m'en donne du coup des sauts, on va pouvoir mettre, alors ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois on mettra un saut du champion. Je sais pas si je l'ai déjà la boîte à Pokéball, je l'ai pas encore, ah j'ai peut-être une fois que je retourne à Félicité. Je sais plus tout, parce que je sais qu'on l'obtient beaucoup plus tôt qu'avant. Mais c'est pas au même endroit qu'avant. Avant la boîte à Pokéball pour comment dire, pour pouvoir mettre les sauts, c'était sur le dernier champion. Ok, excusez-moi, re petit cut. Ok. Ok, ok. Alors, du coup, on va pouvoir directement partir dans la ville suivante. Alors, on fait pas le tour des maisons, hein. Ça sert pas à grand chose. Évidemment, notre rival qui nous rentre dedans. Alors du coup, prochaine arène à Vestigion. Ok, vas-y. Ce rival, il a clairement pas le temps. Il a clairement pas le temps. Ok, du coup, on va pouvoir y aller. Putain. Évidemment, on se tape un Pokémon. Évidemment. Mais bon, là, c'est pas très intéressant de les taper maintenant, parce que bon, ils sont tellement bas de niveau que le peu d'XP que je vais avoir sera pas ultra intéressant. Ok, on prend la fuite. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Normalement, je peux esquiver. Allez, hop. Ah, j'allais dire, je peux esquiver toutes les autres herbes, mais apparemment, j'en ai 3 que je ne pouvais pas esquiver. On va du coup. Normalement, je pense que les. Comment dire. Les parcs éoliens et jusqu'à l'arène, l'arène de type plante, ça devrait passer. Ah. Il va falloir poutrer des membres de la type galaxie. Incroyable. Allez, let's go. Let's go, let's go, les amis. Ça fait du stack de... Normalement, alors, de souvenir, l'arène 2, je crois que c'est dans les niveaux... C'est niveau 21 ou 22, je crois. Le plus haut Pokémon. Mais il y a largement le temps de stack les niveaux. Donc, normalement, on devrait très largement être au niveau 20, voire plus. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Il n'y a clairement pas de souci à se faire. Le petit one shot du Chenipot. Magnifique. C'est quand même dommage hein, qu'ils aient fait le jeu dans cette direction artistique là, parce que c'est vrai qu'elle est très, en fait elle est très cute, et je suis quelqu'un qui aime beaucoup le chibi, comme je vous en avais parlé dans le premier épisode. Après honnêtement, c'est tellement dommage de l'avoir, en fait la génération 4 est celle qui a le moins beau remake de tous quoi, et c'est quand même dingue. Après c'est sûr que je préfère largement ça, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, comment dire, que tu écarlates ou bah c'est techniquement ils sont pas capables de faire un open world cool quoi. Et ce qui fait qu'il y a énormément de choses qui moi me plaisent dans un open world qui sont pas présents dans le jeu, du coup qui est très dommageable. Mais honnêtement, là en fait le fait d'avoir fait un style beaucoup plus ancien, juste chibi etc, bah ça fait que le jeu est beau. Hein. Le jeu est très très beau, il est dans la même lignée que le Zelda Link's Awakening, qui reprenait vraiment les graphismes de l'époque remis au goût du jour. Et là, c'est exactement pareil. Hein. Parce que, en fait, on s'en rendait pas trop. Attendez. Ah, Capsule Ball, c'est ça. Diego Capsule. Magnifique. Mais, comment dire. Mais à l'époque, on s'en rendait pas trop. Mais c'était déjà du chibi à l'époque. Sur la version. Sur la version, c'était déjà des chibi. Donc finalement, en fait, ils ont juste repris le même style et c'est tout. Hein. C'est lequel que j'ai eu ? Ça doit être celui-là, je crois.
Ça doit être celui-là, et du coup, on va faire... on va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va faire ça comme ça, du coup, il apparaîtra sur la gauche. Alors merde, faut que je le donne... faut que je le donne, du coup, à signer un Pokémon à Richard. Validé. Ok, du coup, c'est bon, Richard a sa petite Pokéball avec le premier insigne du premier badge. Hop. Ok, alors normalement, il me semble qu'il y a quelque chose là-haut, en haut à gauche. Antidote. Parfait. Parfait, parfait. Le petit éclatroc. Du Conotor. Boum. Magnifique. Putain, par contre, les Pokémon, c'est relou. C'est très relou. Vous êtes pas au niveau, donc... La première fois que j'ai eu un Shiny dans un jeu Pokémon, c'était dans cette grotte-là. Je me rappelle, à l'époque, je connaissais pas trop les Shiny, en fait. J'étais vraiment... Bah, c'est quand j'avais Pokémon Diamant, donc honnêtement, c'est vraiment genre, j'étais gamin, quoi. Et je marchais, du coup, dans cette grotte-là, et j'étais tombé sur un Shiny, sur le Nosferapti Shiny, qui m'a suivi pendant un petit moment. Il m'a suivi pendant un petit moment, ce Pokémon-là. Je l'avais ramené sur Sol Silver, à l'époque. Et quand on était passé, quand on était passé à noir et blanc, c'est là en fait que j'ai perdu la plupart des Pokémon que j'avais gardés, parce que c'est très, en fait, il y a très peu de Pokémon qui ont fait les transitions console, donc en fait j'ai souvent perdu les Pokémon d'une génération à une autre, et ce Nosferapti du coup est parti dans les méandres des abysses. Mais c'est le premier Pokémon que j'ai eu en Shiny, mais il faut savoir que j'en ai eu très peu. J'ai vraiment une chance assez négative sur les Shiny. C'est dingue parce que dans tous les let's play qu'on fait avec Hattie, ou même quand lui il commence un jeu Pokémon, il en a très souvent de Shiny. Genre là par exemple, alors vous l'avez jamais vu cet épisode là, on avait fait le let's play, donc on avait fait qu'un live, parce qu'après du coup il avait dû arrêter pour ses études, et puis bah, du coup il a jamais repris derrière, donc finalement on n'a jamais refait de live, et c'est pour ça que j'avais arrêté de publier la série à l'époque. Mais il y a un épisode où à peu près dans cette zone là, il a vu un Shiny, voilà, un petit Pachirisu Shiny qui était très 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 très, très mignon. Il faut savoir en fait que du coup on se connaît depuis qu'on est gamin avec Hattie. Et à chaque fois, on prenait des versions complémentaires. C'est-à-dire que moi, quand je prenais, quand je prenais X, il prenait Y. Quand je prenais noir, il prenait blanc. Quand j'ai pris soleil, il avait pris lune. Vous voyez, en fait, à chaque fois, sans même se le dire, à chaque fois, on était attiré par la version complémentaire de l'autre. Et à chaque fois qu'il commençait un jeu Pokémon, très rapidement, on me fait « Ah bah, c'est mon frère, j'ai mon premier Shiny. » Genre, je dis « Non, mais c'est dingue. » Moi, les Shiny, c'est très très rare que j'en trouve. Hein. Je crois que dans toutes les vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne, j'en ai jamais trouvé, même si j'ai pas fait énormément. Et dans toutes mes parties, je pense que... Bah voilà, le Nosferapti m'a marqué, parce que c'est un des seuls Shiny que j'ai trouvé. Mais pas genre farmé, tu vois, c'est vraiment trouvé. Parce que des Shiny, j'en ai farmé, hein, y a pas de souci. Mais trouvé à l'état brut comme ça, simplement en jouant, j'en ai très très peu. Et donc, par exemple, sur Legend, le seul Shiny que j'ai trouvé à l'état pur, c'est un Ponyta Shiny. Mais pas le Ponyta Shiny de la quête, non, j'en avais trouvé un deuxième. Simplement comme ça, en me baladant, et c'est le seul Shiny que j'ai trouvé comme ça. Les autres, je les avais farmés avec l'ancienne méthode. Également, là où j'ai beaucoup farmé de Shiny, c'est sur Let's Go Pikachu. Enfin, moi, j'avais Let's Go Evoli. Là, les Shiny, j'en ai farmé énormément. D'ailleurs, j'en ai qui m'ont suivi de Let's Go, qui sont présents sur Écarlate et Bouclier. Enfin, sur Écarlate et Violet. Puisque j'ai déplacé mon Dracolos, j'ai déplacé mon Machopper. Et je crois que c'est les... Ah si, j'ai déplacé mon petit Psycho-Quack qui s'appelle Blue, qui est niveau 100, parce que Psycho-Quack Shiny, incroyable. Mais ouais. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien trouver un Shiny sur l'aventure. J'en ai pas besoin, hein, mais juste en mode, ok, c'est bon, t'as un petit Shiny comme ça posé. De toute façon, je vous dis, en fait, je capture pas de Pokémon, si je tombe sur un Shiny, je capture pour la collecte. Hein. Comme ça, je leur fous dans mes versions, dans la dernière version. Ah, je peux pas faire les combats doubles. Ah, c'est relou. Alors, c'est très relou, par contre. Par contre, ça m'avantage... Ouais, ça m'avantage pas vraiment. Non, s'il te plaît, ce que je voulais faire. Alors, normalement, il donne des cadeaux. J'ai le Pokémon, il a... J'ai obtenu un Mew. Ok, d'accord. J'avais complètement oublié, mais c'est vrai qu'il nous donne des Pokémon. Bah, je vais récupérer les deux, tiens. Allez, Mew et Jirachi dans l'équipe, incroyable. Comment récupérer ces deux Pokémon tellement facilement? Moi, ils vont me servir à rien parce que j'en ai pas besoin, mais ok. Bah écoutez, pas de soucis. Hein. Pas de soucis, j'ai un Mew et un Jirachi. Écoutez, on va les mettre dans la boîte, boîte PC. Hop.
Le petit Mew, il vient là. Et le petit Jirachi, il vient là. Parfait. Normalement, ouais, on est à 15 minutes. On vient d'arriver au parc éolien. Donc, normalement, il n'y aura pas de pas trop de soucis. Je vais récupérer. Il me semble que c'est ici qu'on récupère le psycho. Comment je sais plus comment il l'appelle. Le psychorosoir ou je sais plus quoi. Ah non, c'est les sauts, d'accord. Je m'en fous. Baie cerise. D'accord. Ok, elle me donne des baies de tous les jours un peu différents. Le quacarosoir, voilà, merci beaucoup. Parce que ça, ça pourrait m'être très utile sur le endgame. Enfin, sur le endgame. Même dans le jeu de base. Avec les bémépos. Parce que les bémépos, ça permet de soigner les pépés. Et donc, comme j'aurai qu'un Pokémon sur quand je vais faire la ligue, par exemple, ça pourrait être très utile pour soigner les pépés. Allez, baie cerise. Parce que du coup, en fait, quand vous avez plusieurs Pokémon, vous pouvez un peu tourner l'équipe. Mais quand vous en avez qu'un, bah. C'est compliqué. Baie marron. Merci. Et là, on a la baie pêcha. Magnifique. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Parabam, parabam, parabam. Ah, il faut aller sauver son popa. Bah, on va aller sauver son popa. Ah, du coup, c'est ici qu'il avait trouvé Ati, son petit Pachirisu Shiny. Voilà, il l'avait trouvé juste ici. Je rageais. Véritablement, alors du coup vous avez pas vu l'épisode, hein, mais dans l'épisode en fait vraiment genre il est en mode, il s'entraîne ici, et du coup il fait, putain j'ai un shiny, et là j'étais en mode, non sérieusement, ça continue. Enfin voilà. Pam pam palam, pam 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 pam. Normalement les Team Galaxy sont toujours des Pokémon de merde. Bah chaque lame. Okay. Allez. Pam pam. Il y a un Pokémon chat que j'ai jamais compris, c'est Chakripan. Chakripan, quand on l'a vu dans Pokémon noir et blanc, ce Pokémon est assis. Donc il se comporte comme un chat. Il est à quatre pattes. J'ai jamais compris pourquoi, dans les générations suivantes, ils le mettent debout. Genre, il est ignoble. En fait, du coup, parce qu'il a un corps de chat debout. Donc en fait, il est juste beaucoup trop moche. Je le trouve beaucoup plus mignon quand il est comme un chat, en fait, sur quatre pattes. Donc vraiment, j'ai jamais compris ce move-là. Vraiment. Et dans toute la génération où il apparaît en 3D, le Pokémon est debout. Et vraiment, c'est une horreur. C'est une horreur. Enfin bref. Du coup, on va aller récupérer la petite clé juste là-bas. Alors, c'est vrai que le remake, bon, il est ce qu'il est. Les musiques sont très jolies. Alors, les musiques de base de Pokémon Diamant et puis Platine sont très jolies. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé très joli. Pam 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 pam. On va un petit chenipot. Tu n'as absolument aucune. Tu n'as absolument. Absolument aucune chance. Boum, one shot. Pa 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 pa. Alors Armulis. C'est un one-shot également. On est du coup au niveau 16. On devrait passer au niveau 17-18 à ce niveau-là. Sachant qu'on a pas mal de combats à faire dans la forêt. Normalement, on devrait pas être trop mal niveau XP. Excusez-moi les amis, des petits cuts. J'ai des demandes de choses à faire pendant l'épisode. Ok, deuxième combat du coup. On devrait passer au niveau 17 à la fin de ce combat. Ce qui du coup est une très bonne chose. Pam, 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 pam. Nosferapti. Le Nosferapti, ça va être one shot assez rapidement. Flamèche. Ok. Regarde noir, mais ça ne sert absolument à rien, mon ami. Est-ce que tu vas mourir? En fait, tu t'es juste enfermé dans ta propre tombe. Et boum! C'est comme ça, moi, que je les règle les problèmes de chauve-souris. On lance flamme. Niveau 17, oh putain, vous êtes relou. Ok, bon, normalement du coup je vais être au même niveau que le Shaglam, parce qu'il me semble qu'au parc éolien quand on combat la boss, maintenant quoique j'ai 2-3 combats avant à faire, donc on devrait passer niveau 17. Allez, merci pour la clé du parc éolien. Ok, un peu de miel, bon, ça me servira pas à grand chose, mais c'est toujours ça de gagner. Ok, let's go. Let's go, let's go.
Parce que du coup, ouais, j'ai encore un combat à faire. En fait, j'ai encore pas mal de combats à faire sur la route. Donc je vous dis, normalement, le niveau 22, il sera atteint. De toute façon, après, c'est l'arène où c'est le moins grave d'être un peu en sous-level. Parce que c'est type plante, hein, donc honnêtement... La seule arène qui me fait peur, vraiment, de toutes les arènes, hein, vraiment, la seule qui me fait peur, c'est la type O. Parce que quand même, dans les champions, enfin dans les... comment dire... Dans le conseil 4, je sais plus c'est quoi les types. Il y a un type feu, un type combat, un type insecte, et un type roche, je crois. Je sais plus, non, mais il n'y a pas de type roche, non, parce qu'il y a déjà, un champion roche, donc tu peux pas avoir un double champion. Ah, quoi que j'allais dire. J'avais des grosses conneries, mais il y a le double type. Je sais plus. J'ai complètement oublié les types. Je sais que le type final, c'est Cynthia, qui n'a pas vraiment de type défini. Plutôt dragon. C'est plutôt dragon, un peu dragon sol. Enfin bref. Il n'y a pas de type prédéfini dans sa team. Mais les autres, j'ai un gros trou de mémoire. J'ai le type feu, le type insecte, c'est sûr. Et je sais plus. Je sais plus du tout les autres. Il y a peut-être un type. Non, un type glace, j'allais dire, il y en a déjà un champion. Ça peut pas être ça. Il me semble qu'il y a jamais de double type. En mode, il y a un type de champion et vous le retrouvez également chez les le conseil 4. Mais le problème, c'est que j'ai le conseil 4 de plusieurs générations qui reviennent, en fait, et qui me bloquent. Parce que insecte et feu, c'est sûr. Enfin, du coup, insecte et feu, ça passe. Ça passe largement. Insecte, je roule dessus, clairement. Même si du coup il a insecte, il peut également avoir des capacités vol qui pourraient être un peu chiantes, mais normalement on le roule dessus. Parce qu'en termes de champion, en fait là c'est type plante, ensuite c'est type combat, donc combat ça va passer très facilement. Surtout que son plus fort c'est un Lucario, donc ça passe nickel. Le type eau par contre c'est très compliqué. Ça va être très compliqué. Après c'est type spectre. Type spectre c'est pareil. Normalement il n'y a pas de raison que ça passe pas. Type spectre, ensuite il y a type acier, donc là pareil, ça va passer plutôt tranquillement. Il y a type glace et ensuite type électrique. Donc vraiment en fait il y a que le type eau qui va me poser problème. Hein. Donc normalement il n'y a pas de raison de s'en faire, mais le type eau avec son petit Léviator là et son petit Musteflotte, faut voir. Ok, nous avons l'admin Mars. Je vais te rouler dessus. Voilà, c'est clair. Attends, mais arrêtez avec ce zoom, c'était trop long. c'est bien. Les chibis, c'est bien, mais zoom pas trop dessus. Genre, vraiment, garde ta caméra un peu loin quand même. Hein, parce que bon, c'est pas non plus... pas non plus incroyable. Ok, Nosferapti. Alors, Nosferapti... Le problème, c'est qu'il a ultra son. J'allais dire, ce serait bien que je stack du point boost sur lui. Je vais pas faire beaucoup de dégâts. Mais j'augmente ma stat d'attaque. Et ultra son, ok. Je vais pas pouvoir faire ça beaucoup, enfin trop souvent. Parce que comme ça, au moins, du coup, le Mach Punch derrière, ou le point boost, parce que c'est la même puissance, vont faire de bons gros dégâts. Putain, l'ultra son. Ah, c'est relou ça, l'ultra son. Alors, j'ai pas mal de potions. Normalement, on devrait pouvoir se soigner assez facilement. Ok, ne te cogne pas dans ta confusion, mais... Quel abruti. Il a étonnement. Ouais, ça va. Ça va. Tu vas me faire deux dégâts. Okay, bon. S'il te plaît, réussis. Oh, mais c'est pas possible. J'ai aucune luck. Étonnement derrière. Faut que je me soigne. Hein. Il fait 3 PV. Ça va. Va falloir commencer à acheter des super potions. Parce que là, les potions, ça a pu, quoi. Ça a pu suffire. Ok, bon. Il récupère ses PV, il utilise étonnement, tu m'enlèves 3 PV. Ça va, on tanque largement. J'aimerais bien pas trop en perdre, parce que derrière, il y a quand même un chaffreux. Il y a quand même un chaffreux qui pourrait être très gênant. Ok, c'est bon. Le Flamèche qui passe. Et c'est bon. Le Nosferapti est vaincu. On va passer niveau 17. Ah bon, on l'avait déjà passé, d'accord. Je croyais qu'on l'avait pas encore passé. J'ai un petit temps de retard, c'est pas grave. Ok, le chaffreux, il est ici, il est beau. Enfin non, il est pas beau, mais bref. Il utilise bluff. Et bien évidemment, j'ai la trouille. Je vais utiliser une potion, parce qu'il me semble qu'il a combo griffe. Et il pourrait me faire très mal avec combo griffe, et me surprendre. Donc on va essayer d'avoir très souvent un bon nombre de PV. On tanque plutôt pas mal, point boost. Il est plus rapide que... Non mais comment tu peux être moins rapide que ce Pokémon là? Et je suis encore confus!
Mais je suis confus pendant combien de tours? Ok, c'est passé. On a moins de stat attaque. Il a une B. Quel enfoiré. Imagine la B citrus. Non, c'est une B au rang. D'accord. Okay. Mac Punch. Hein. Mac Punch, on a terminé. Et je suis plus confus. Bah, incroyable. Au bout de 5 tours. Ok. Bon, bah écoutez, un combat rondement mené. On est toujours à 0 mort. Honnêtement, je pense que ça risque de monter au champion haut. Avant ça, si on gère bien, normalement, il n'y a pas de raison que ça monte. Si on gère bien. Après, il y aura aussi les confrontations avec Attic pour être un peu chiante. Parce que du coup, bah évidemment, il y aura toujours son... Il y aura toujours son... son petit pouf pour me faire chier. Allez. Hop, on a réglé le problème. C'est une mission rondement menée, les amis. C'est une mission rondement menée. Du coup, on va pouvoir continuer notre chemin jusqu'à la forêt. Je sais plus comment c'est la forêt. C'est un jeu que j'ai énormément fait, mais alors les noms, les amis, les noms, je ne m'en souviens absolument jamais. Mais que ce soit les noms des personnages, le nom des techniques, le nom, enfin bref, j'ai toujours des gros trous de mémoire apparemment. Donc je suis incapable de vous dire le nom de la ville, enfin le nom de la forêt. Ok, on va se soigner. Hop, et puis du coup on est reparti. Alors normalement il y a quelques dresseurs sur la route, donc on devrait se mettre plutôt bien. On devrait se mettre plutôt bien. Il y a... Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que je crois qu'il y a un... Il y a un dresseur avec un type loup, c'est sûr, tout en haut. Il y a un dresseur avec des ponitas aussi. Donc là, les ponitas, du coup, bon, bah, j'ai pas de type... J'ai pas d'attaque de type haut, ni de type roche pour l'instant. Mais en vrai, c'est type feu, donc il n'y a pas de raison que ça me pose problème. Alors, du coup, ça doit être lui avec ponita. Ça doit être lui. Papa, papa, pam, 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 pam. Effectivement, il y a un petit ponita. Les Pokémon absolument sublime, un ponita. Hein. Je suis désolé. Ponita Shiny, c'est une masterclass. Genre vraiment. Mac Punch, normalement, ça devrait plutôt suffire. Je fais que ça en dégâts. Putain, je suis quand même assez faible. J'aurais dû utiliser point boost du coup. J'aurais dû utiliser point boost, mais je fais si peu de dégâts que ça. Ouais, c'est chaud. Après, il est niveau 14, hein. Mais bon, quand même. Après, c'est, voilà, c'est du 40, hein, Mac Punch. Hein. C'est pas non plus la grosse technique. Hein. Ok, le niveau 18. Magnifique. Pam, 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 pam. Ok. Normalement, là, c'est un montagnard avec des... un montagnard avec des racailloux. Donc ça, les racailloux, on aime bien. Alors, à part quand ils ont fermeté, là, c'est relou. Ok. On fuit, les amis. Ça ne sert à rien de combattre ce genre de Pokémon. On récupère la petite Pokéball. Youp. Pam, 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 pam. Il me semble qu'il y a des racailloux, lui. Ça se trouve, j'ai de la merde. Hein. Non, il y a des racailloux, ok. Il doit même en avoir 4 différents avec des niveaux plus en plus hauts, je crois. Pam, 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 pam. Point boost. Comme ça, on va monter notre stade d'attaque à chaque fois. Et on va beaucoup plus facilement one-shot. Utilise boule armure. Tu ne peux rien faire, mon ami. Tu as augmenté ta stade de défense, mais j'ai augmenté ma stade d'attaque et tu n'as plus que 5 PV. Qu'est-ce que tu espères faire face à Richard? Voilà. Du coup, on a double boost attaque. On est parfait. On est parfait, on est parfait. Je sais pas. Non, normalement, j'aurais pas tardé à prendre roue de feu. Il envoie Machoke. Oh putain, j'ai tout faux. Je pensais qu'il avait que des racailloux, mais non. Il a un Machoke. Bah, Mac Punch, hein. J'ai un double stack en attaque. Hein. Voilà. Ça fait tout de suite une différence. Pam. Pam, 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 pam. Allez, Mac Punch. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Et du coup, derrière, il a un Cunetor. Mon dieu. Allez, Mac Punch. Boum. Magnifique. Magnifique. On gagne du coup un peu de thunes. Il va falloir qu'on économise pas mal de thunes, parce que je pense qu'il va falloir que j'achète quelques super potions. Quoique, je dis des super potions, mais normalement, à la ville où on va, donc Vestigion, on a un shop qui nous permet d'avoir des herbes qui du coup sont très utiles et qui sont pas chères du tout.
qui sont très très cool. Alors l'aromathérapeute, avec un petit Pokémon de type plante, un rose bouton. On va récupérer une bonne petite dose d'XP. Pam, 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 pam. Flamèche. Est-ce que ça one shot? Ça one shot pas. En fait, le problème, c'est qu'il faudra vraiment que j'apprenne Roue de Feu. Parce que vu que j'ai une baisse d'attaque spé avec mon talent, enfin, comment dire, ma nature, on le ressent quand même en jeu que niveau attaque spé, ça pêche un peu. Ça pêche un peu. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça a quand même posé problème. Je sais plus s'il y a. De toute façon, ça sert à rien. Nitro charge dans le jeu, je sais plus. Mais je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il y ait Nitro charge. Je suis pas sûr qu'ils aient rajouté des techniques des anciens, enfin des nouveaux jeux, sur celui-ci, sachant qu'ils ont mis que ce qu'il y avait à l'époque. Avec un tout petit peu plus de choses de temps en temps, hein, mais quand même. Parce qu'en termes de techniques physiques en feu. Je vais être assez limité, hein, parce que bout de feu, je peux pas prendre, parce que honnêtement, bout de feu, en fait, ça fait très mal, ok, mais ça me nique mes PV, et comme j'ai qu'un Pokémon, c'est pas du tout un avantage. Donc, va falloir obligatoirement que je tape sur des techniques qui ne m'enlèvent pas des PV. Et en technique physique, bah, à part route de feu, t'as point de feu, mais je crois que point de feu et croc de feu, mais je crois que c'est des techniques qui doivent avoir 60, 70, je crois à peine. Il me semble que les techniques de points ça va être ouais, 60. J'ai un petit doute. Peut-être 90. Quoique non, 90 ça me paraît quand même énorme pour une technique comme ça. Enfin bref. Mais du coup je vais être un peu limité parce que si je peux pas trop taper en spécial. Bon. Enfin ouais, je pourrais quand même taper en spécial parce que je vais faire beaucoup moins de dégâts que le physique. Elles sont moins petits. Après si j'ai une technique qui est beaucoup plus genre comment dire une déflagration tu vois ça peut toujours être cool. Ok les brûlés, ça c'est cool. Petite flamèche. Pam 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 pam. Ok, pratiquement mort. Je vais tout mis sur son charme évidemment. Mais de toute façon mon ami, c'est terminé pour toi. Tu vas mourir sous le coup de mes brûlures. Vive attaque, enfoiré. L'enfoiré, la flamèche, et c'est gagné. Pam, 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 mon tête niveau 19, parfait. Ouais, j'ai 36 et je suis à 34 en taxe. Je vais prendre roue de feu, incroyable. Incroyable, incroyable, bah à la place de flamèche. À la place de flamèche, évidemment. Roue de feu, parfait. Parfait, parfait, et je pense que mes techniques ne vont pas trop bouger, à part du coup de Noherbe ou. Comment dire, Noherbe pour les Pokémon type eau. Excusez-moi, les amis. Je suis debout depuis 5 heures avec le taf, donc. ça pique un peu aujourd'hui, je sais pas pourquoi aujourd'hui ça pique un peu. Mais... Je baille un peu. Ok, une petite Boran. Petite BP chat également. Pam, 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 pam. Et puis on va pouvoir continuer les amis. Avec Roue de Feu du coup ça va quand même être beaucoup mieux. Ça va quand même être beaucoup mieux. J'avais oublié ce dresseur. J'allais me passer en me disant bah c'est bon j'ai déjà fait celui-là. Mais non je l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu as comme Pokémon? Un racaillou. Ok. Et bah tu peux dire adieu à ton racaillou à mon avis. Parce que il va pas faire long feu. Il ne va pas faire long feu. Mach Punch. Et boum. Ok donc. Il tank de fou, boule armure. Oh, putain. Et j'ai pas utilisé le point boost. Donc honnêtement, je suis pas sûr de faire de gros dégâts. Ah, je l'ai pas tué. Quel relou. Quel relou, quel relou. Je prends les dégâts. Évidemment. Bon, ça va. Normalement de toute façon on a tout en haut de la route on a une comment dire on a une maison où on peut dormir se reposer et donc du coup on pourra s'en mettre full vie donc ce sera pas mal en vrai allez hop ça c'est fait le montagnard ici il me semble qu'il y a le montagnard une sportive une joggeuse et ensuite le combat avec le petit Tiplouf et ensuite tu vas pouvoir rentrer dans la forêt. Alors du coup
d'un souvenir qui me vient comme ça, ça doit être la forêt de Vestigion, tout simplement. Et Vestigion, du coup, c'est la ville d'après. Je pense. On va faire point boost. S'il me sort une boule armure de don de Cézou. En plus, je tue pas. D'accord. Je ne suis pas encore assez fort pour one-shot Léonix. Et point boost. Et boum. Magnifique. Onyx, 158 XP, pas mal. On va en vrai monter niveau... Enfin, quoique, niveau 20, je suis pas sûr, avant la forêt. Mais de toute façon, la forêt, on a combat double, en plus, elle me soigne à chaque fois, donc... En vrai, ça passe easy. Non, les Pokémon sauvages, s'il vous plaît. Plus pour me donner un 100 coquilles, quoi. Sérieusement. Fuite. On prend la fuite, incroyable. Incroyable. On récupère la Pokéball, une petite repousse. Repousse, ça peut, ça peut être cool. Allez, combat moi, ensuite la dresseuse avec le type loup. Et puis on est pas mal. On est pas mal, les amis. Elle m'envoie un Machoc. Bah, point boost, hein. On va focus les points boost. Ok, parfait. Et ensuite, on va pouvoir balancer une roue de feu qui doit être à plus que 40. Qui fera beaucoup plus de dégâts. Coup critique, pas cool. Je suis à 60. Donc, normalement, je te termine. Je te termine, normalement. Voilà. Parfait. 145. Incroyable. Putain, j'arrête pas de bailler, moi. C'est ouf. Est-ce que... Mais après, le problème, c'est que je pense que si je passe devant elle, je vais me faire avoir. Donc, on va juste faire une petite potion pour s'assurer. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis, je pense qu'elle aurait bougé si j'étais passé sur les côtés. J'étais pas sûr de pouvoir aller me soigner dans la maison. Allez, envoie-moi ton petit tiplouf. Pam, 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 papa, papa. J'ai que du type combat. Alors par contre, le type ouf, il va être un peu relou à combattre. J'ai pas de type fort contre lui. Un type combat, c'est neutre. Je crois que c'est faible. Putain, j'ai la table de type. C'est horrible, hein. Je la connais pas du tout. Ouh, la vache, ça pique. Ok, c'est bon. J'ai failli mourir. J'ai vraiment failli mourir. Ça fait extrêmement mal, hein. J'avais, bah après j'avais la moitié de mes PV déjà d'enlever, donc bon, ça fait plus impressionnant tout de suite, mais c'est pas passé si loin que ça d'avoir une défaite sur un dresseur random. Sachant qu'en plus, en début de vidéo, j'ai dit que normalement je devrais pas perdre de Pokémon avant, comment dire, avant le quatrième champion. Ah là. Ok, parfait. Pam 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 pam. Hop. Du coup, on arrive dans la forêt de Vestigion, les amis. On a évidemment cette jolie jeune demoiselle qui veut qu'on l'aide. Nous allons accompagner Sarah. Et bah, Sarah, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Alors, normalement, il y a une herbe, enfin, une pierre pour faire évoluer les petites évolies en filali. Pam, 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 pam. Ok. Le combat commence. Du coup, normalement, elle a un Levenard qui est dopé aux hormones. Parce qu'il est niveau 20, je crois, tout dans le genre. Ça va me faire une bonne dose d'XP. Oh, j'arrive pas à le passer le coup de barre. Mon dieu. Ça te travaille trop bonheur. Roue de feu. Ah, il est que niveau 15. Je croyais que t'étais niveau 20. Je suis déçu. Je suis déçu. Ok, ça c'est bon. Étincelle, tu es relou. Vengeuse. Ça passe pas. Ça ne passe point, ça ne passe point. Alors Charmeillon, c'est one shot aussi. Bouf, Richard niveau 20. Incroyable.
Petite étincelle, bon ça va, elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. Elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Doux baiser. Mon dieu. Allez, confus. Et du coup, ton dernier c'est Armulis. Ça va. Honnêtement, les dresseurs comme ça, on les bouffe au petit-déj. One shot. Du coup, après, il restera plus que le Pachirisu. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de combats dans cette zone-là. Je crois qu'il y a peut-être, peut-être 3 ou 4 encore combats doubles. Parce qu'il y a le combat avec les doubles bras, qui est juste après. T'as un combat avec un Cornèbre, je crois. D'ailleurs, c'est une vraie anecdote. À l'époque, je trouvais Cornèbre extrêmement stylé. Et quand j'arrivais dans cette zone, je partais pas sans avoir mon Cornèbre. Sachant que je n'ai jamais eu de Corboss dans mon équipe. Hein. Je ne le gardais jamais. Mais à chaque fois que j'arrivais dans cette zone-là, j'allais capturer Cornèbre parce que, bah, à l'époque, faut savoir que voilà, c'était 4ème gen, il n'y avait pas toutes les gènes qui suivaient, j'étais jeune, etc. Et je trouvais Cornèbre incroyablement classe. Et je trouvais Corboss vraiment pas beau. Du coup, en fait, à chaque fois, j'avais Cornèbre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus suivre. Ensuite, je le remettais dans la boîte et j'utilisais plus. Maintenant, bon, bah, avec mes goûts d'adulte, évidemment, Corboss, voilà, il est incroyable comme Pokémon. Mais du coup ouais j'avais mon Cornèbre à chaque fois. Et c'était cool. D'ailleurs il me semble que il y avait Cornèbre ici, il devait y avoir Oot dans l'autre, il me semble. Ok, double aura. Je vais y arriver les amis, je vais y arriver à arrêter de bailler. Allez. Roue de feu. Est-ce que ça va être un one shot? Oui, le one shot, magnifique. Est-ce que je vais avoir un peu d'XP? 139. Ça va. Écosphère. Ok, ça tank plutôt pas mal. Doux baiser, évidemment, tu le rends confus, mais ça ne sert à rien. À rien du tout. Route de feu. Ok, c'est bon. Pratiquement niveau 21. Ça avance quand même plutôt rapidement. Pam 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 pam. Du coup, on a une Pokéball normalement qui est juste ici. On a une Super Ball. Bon. Ça ne me sert à rien, mais c'est toujours ça de gagner. On a double dresseur ici. Charmeillon et Chenipot. Tam 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 tam. Hop, la petite fuite qui va bien. Ah, du coup, double dresseur type insecte, donc normalement, double dresseur type insecte. Ça fait pas long feu face à moi. Shunity et Shunipot. Let's go. Alors, j'ai pas fait gaffe si c'était plus de Pokémon que ça. Ok, il y a suite de gauche, il y a 3 Pokémon. Ok, et l'autre en a 2. Je sais pas s'il aura double Shunity ou s'il aura un autre Pokémon. A mon avis, lui, il va avoir la Trinité, Shunipot, Armulis ou Blindalis et Papillusion. Et tu fais rien en dégâts, Levener. Hein. C'est ouf. Hein. T'as un gros sac à PV, mais tu fais aucun dégât. Voilà, il envoie Papillusion dès nulle part. Et du coup, j'imagine qu'après, il aura un Blindalis ou un Armulis. Allez, on va tanker Blindalis. Je sais pas du tout lequel ça va être. Mais j'ai dit Armulis, je crois. Ou j'ai dit Blindalis, je sais plus. J'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Ça prouve à quel point je suis mort. J'ai déjà oublié ce que j'ai dit juste avant. Bah du coup, on va partir sur Armulis. On va complètement oublier la phrase avant. On va partir sur Armulis. Alors, doux baiser, évidemment. Il est protégé. Il est protégé. Il envoie Blindalis et j'avais dit Armulis. Donc, je sais plus si j'avais dit Blindalis ou le premier. Mais ce n'est point grave. Allez, roue de feu. Blindalis, c'est ciao. Et il nous reste plus qu'un dresseur à défoncer. Normalement, du coup, on devrait largement passer au-dessus de niveau 22. Sachant qu'en plus, dans l'arène, il y aura de dresseurs à affronter. Donc, on va monter de niveau dans l'arène. Honnêtement, on est pas mal. Hein. On est vraiment pas mal. Allez, roue de feu. Tumeur. Magnifique. Il n'y a plus qu'un un Pokémon. De l'XP. Alors le doux baiser du coup il sert à rien.
Melocric. Roue de feu. Ça one shot aussi. Melocric, en vrai, comme Pokémon, c'est vrai que. En règle générale, je suis pas fan des types insectes en Pokémon. Très souvent, je les trouve vraiment pas foufou. À part Lucanon, que j'aime beaucoup dans la 7G. Sinon, les insectes, je suis pas fan. Après, t'en as d'autres que j'aime bien. Scarino, par exemple, aussi, il est cool. Mais Melocric, je pense que c'est un Pokémon qui gagnerait à avoir une évolution supplémentaire pour donner un je sais pas quoi. C'était Krixic, Melocric. Chanticrick, je sais pas, un truc dans le genre, un nom débile. Mais avec une évolution supplémentaire, je pense que le Pokémon pourrait être assez stylé. Il y a de quoi faire. Faire un maestro un peu plus costaud avec une grande baguette, etc. Alors, je me rappelle qu'il y avait un autre kinésiste, Psychoquack et Meditica. Psychoquack, il faut qu'on le batte assez rapidement. Parce que Psychoquack, il peut nous poser de petits problèmes avec son pistolet à eau. On va utiliser point boost. Comme ça, on monte notre stat d'attaque en même temps. Donc du coup, je vais me prendre au pire un pistolet à eau. Ça va. Normalement, on devrait tanker. Vibre à quoi ? Ça peut faire mal, ça. Ok, bon, ça va. J'ai plutôt bien tanké, les amis. Mac Punch. Comme ça, on le termine assez rapidement. Et du coup, il reste plus que le Meditica. Et c'est win. 136. Il envoie choc mental. Ah, j'avais oublié choc mental. Ouh, ça peut faire de bons gros dégâts, ça. J'avais oublié qu'il était type psy aussi, Meditica. Ça a été complètement sorti de la tête, ça. Roue de feu. Normalement, on termine hein, avec une augmentation en attaque. En plus, ça devait passer largement. Plus 119. Ok. Pam 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 pam. Hop, là on est bon. Et du coup, il va nous rester plus qu'un dresseur. Et puis on est bon. Du coup, les amis, on aura fait tout ce que je voulais dans l'épisode. C'est-à-dire qu'on va aller, on va arriver à Vestigion. On aura fait le premier champion. Enfin, et on aura fait du coup le parc éolien. Donc on est calé. On est à un très bon rythme. On a toujours à zéro mort. Et ça, c'est cool. Bah, après, on est au début du jeu. Donc honnêtement. C'est assez compliqué quand même déjà de mourir maintenant. Il n'y a pas d'autre dresseur. Je croyais qu'il y avait un autre dresseur avant. Non, je dis des conneries. Je raconte des conneries. Fuite. Récupérer la Pokéball qui est juste ici. Petit peu de miel. Et j'ai l'impression que je raconte des conneries. Il n'y a pas d'autre dresseur. Alors, des chenipotes, on s'en fout, les amis. Vous êtes un peu des Pokémon oubliables, donc s'il vous plaît, restez dans votre coin. Fuite. Effectivement, j'avais complètement oublié, mais il n'y avait pas de dresseur. Eh bien, écoute, de rien, mon ami, tu m'as été d'une très grande utilité. Tu m'as permis de faire plusieurs combats doubles, ce qui m'a permis du coup de bien monter. On a tous les pêcheurs ici, mais honnêtement, les pêcheurs, j'ai un peu la flemme de les faire, les amis. Parce que c'est que des Pokémon type O, c'est que des Magikarp pour la plupart, donc honnêtement, bon, voilà, les amis, ce sera pas très très intéressant. On soigne notre Pokémon, et du coup, bah, les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On aura quand même plutôt pas mal avancé. Bah écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a obtenu du coup notre badge, et on aura fait le parc éolien, donc c'est une très bonne chose. La prochaine fois, du coup, je pense que dans le troisième épisode, on arrivera à caler le champion, potentiellement la Team Galaxy à ce niveau-là, et peut-être une partie du chemin, mais c'est pas sûr. Dans tous les cas, je pense qu'on va pouvoir continuer à avoir notre rythme d'un champion par vidéo, je pense, à peu près. Mais on verra bien, en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu. Les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis bah, les amis, on se donne rendez-vous dimanche prochain à midi pour le troisième épisode de notre challenge sur Pokémon Diamant. Les amis, c'était Akane. Ciao!